Bonjour, mais bon voilà, ça fait déjà un petit moment, mais bon, je pense qu'on a eu beaucoup de matchs qui se sont enchaînés. Donc on a commencé les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Donc on a gagné à l'extérieur, maintenant il y a un match retour et j'espère qu'on pourra continuer à monter en puissance parce que bon, depuis le début de la seconde partie, on n'a pas encore retrouvé forcément notre défense, on a déjà justement des situations à retrouver. L'état d'esprit y est, le travail y est, mais je pense qu'il manque certains détails qu'on rectifie au fur et à mesure. Ensuite, en Liga, on a fait de très bons matchs parce que bon, gagner même par la difficulté, c'est déjà ça. Donc on se prépare au mieux pour pouvoir aller le plus loin que possible et déjà entamer un bon retour de huitième de finale. Je pense qu'à chaque fois on présente un joueur, mais bon, une équipe n'est pas forcément composée seulement de joueurs. Il y a aussi un staff, il y a aussi des gens qui nous encadrent. Donc aujourd'hui, j'aurai l'honneur de présenter Gustavo, c'est le responsable presse, et c'est lui un peu qui gère tout ce genre de choses. Donc Gustavo. Yo me acuerdo cuando me explicaron que incorporábamos a Cédric al equipo, que empecé a buscar información sobre de dónde nació, de dónde venía, y me chocó que era un francés que venía de Trinité, que venía de la Martinica, de los territorios de ultramar, como se dice en Francia. Y cuando llegó aquí pensaba, digo, a ver cómo es este chico. Con Cédric siempre me ha ayudado mucho en mi trabajo. Siempre que hemos jugado contra equipos franceses me ha ayudado, siempre ha tenido buena predisposición, lo podéis ver cada semana en el blog que hay en la versión francesa de la web del club. Y principalmente me acuerdo que al principio le costaba bastante hablar en español. Y se me decía, je ne parle pas en español, je parle français. Pero que ahora poco a poco he ido evolucionando y verdaderamente es un auténtico placer trabajar con Cédric, que es un grandísimo jugador y aún es más grande como persona. Eso es lo que está muy claro.